Alors, donc moi je suis Lucie Valoir, j'ai 28 ans et puis je suis arrivée ici à Sauveterre il y a 8 mois à peu près. On est arrivé à deux avec mon compagnon qui a trouvé lui du boulot à Rodez et donc on cherchait à s'installer sans connaître la région du tout. Et on a découvert Sauveterre qui est un village tout à fait mignon d'un point de vue architectural et qui est très vivant aussi, je trouve. Donc, voilà, c'était une aubaine et une chance pour moi de trouver cet atelier de disponible et de prendre contact avec l'association Arrêt Savoir-Faire du coup. Bon, alors ton travail, quel est-il? Donc je suis paysagiste DPLG, donc je conçois des jardins et les espaces extérieurs en règle générale, et je suis aussi artiste peintre, donc je fais de l'aquarelle et de la peinture au pigment. Voilà, tout ce qui m'inspire ici, c'est la mythologie, c'est les contes traditionnels européens ou d'autres pays, énormément les paysages évidemment, et la nature qui m'entoure, et les plantes, la botanique. Voilà, ça m'est arrivé de faire des projets d'illustration de botanique. Voilà. Bon, alors les grands projets pour toi pour l'année 2017, ce sera quoi? Les grands projets. Déjà, réussir à finir cette série de chimères colorées là qu'on peut voir au mur. Parce que chaque tableau me demande pas mal de travail. Et surtout, commencer à faire des marchés et à vendre et à lancer ma production d'illustrations, de cartes postales, de posters, de toutes sortes de produits dérivés à base d'illustrations et de mes illustrations, quoi. D'accord, donc le fait justement d'avoir des produits dérivés, j'imagine qu'il y en a pour toutes les bourses au final. Ouais, c'est le but aussi, parce que enfin, il y a environ toutes les gammes de prix dans cet atelier. J'espère vraiment que ça puisse être accessible à tout le monde, quoi. Donc si les gens veulent venir te rencontrer, voir ton travail, tu es ouverte de quelle heure ici? Alors, moi je suis ici du mardi au vendredi, de 9h30 à midi et demi, et de 14h30 à 18h30. Voilà. Bon, après, souvent je déborde un petit peu, donc faut pas hésiter à venir en dehors des horaires. Bon, et sinon, est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut aller voir tes œuvres ou prendre contact? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas l'adresse en tête par cœur, mais ce sera, j'imagine, donné. Et sur ce site, il y a tout ce que je fais en fait, donc les aquarelles, les peintures et les travaux de jardin ou d'analyse de paysage et tout ça. Bon, eh bien, bonne continuation à toi, Merci beaucoup. et puis à bientôt. À bientôt.